À partir des studios du 21 boulevard des Martyrs, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer d'agréables moments en notre compagnie. Vous avez bien évidemment les salutations de notre réalisateur Nabil Tilibesh et de tout le staff du studio 7 de Canal Algérie. Il y a quelques semaines, nous vous avons promis la diffusion en exclusivité du documentaire intitulé « Dis-leur que j'existe » qui dénonce les violations du droit humanitaire par le régime du Marzène marocain contre le peuple sahraoui. Nous disposons désormais des droits de diffusion grâce au concours de Madame Claude Mongin-Asfari et la réalisatrice Madame Cécile Courrèges qui nous a permis cette diffusion, j'allais dire, exclusive sur une chaîne publique pour sensibiliser bien évidemment l'opinion internationale sur les exactions commises encore une fois contre un peuple qui ne réclame que sa liberté et son indépendance. Je vais vous inviter à découvrir la bande-annonce du film « Dis-leur que j'existe » et on revient juste après, restez avec nous. الصمود الصحراوي عن ما ولي قد حد يزعزعنا لا باستماره ولا بشي ثاني الصمود والثبات هذا اللي قايس انت يا رزاني صحراوي صحراوي Mon mari est un militant indépendantiste et il a été arrêté avec 22 camarades et ils sont passés au tribunal militaire il y a 2 ans. Ils ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à perpétuité. Et pendant ces interrogatoires-là, donc, il a été à nouveau frappé. Il a été mis sur le ventre, puis sur le dos et frappé sur la plante des pieds. Donc c'est le supplice qu'on appelle le supplice de la falaka. Nous, on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on veut nous faire taire. On a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental. Un peuple qui résiste continue d'exister. Un peuple qui résiste continue d'exister. Vous allez devoir rester avec nous, mesdames et messieurs, pour découvrir l'intégralité de ce travail essentiel, ce travail engagé. Notre invité ce soir, c'est le docteur Saïd Ayachi, militant des droits de l'homme, mais également président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir, monsieur Saïd Ayachi. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Ouais, d'abord, on aimerait, avant de commencer notre discussion, on aimerait vous remercier tout d'abord pour les efforts que vous faites pour sensibiliser autour de cette question fondamentale. Vous nous avez permis une diffusion encore une fois exclusive ici même à Canal Algérie avec un documentaire qui s'intitule Un mur dans le désert de Hervé Ferrand avec la voix du grand comédien Pierre Richard qui s'est impliqué bien évidemment dans cette cause juste pour dénoncer ce que subit le peuple sahraoui dans ses terres et à travers ou peut-être à cause de cette colonisation abject et injustifié, encore une fois, quelque chose qui nous renvoie à des années en arrière, ceux de la colonisation, alors qu'on est en 2023. Et on parlait en off, avant de commencer l'émission, on parlait justement de ces documentaires consacrés à cette cause du peuple sahraoui. Vous me dites qu'il y en a beaucoup, mais malheureusement, on ne les voit pas parce qu'il y a un problème au niveau de la distribution. Oui, c'est exact. D'abord, il faut savoir maintenant, vous êtes un professionnel, quelle est la puissance de l'image qui aujourd'hui a un impact extraordinaire sur les consciences et sur le public. Et puis, donc, cette contribution cinématographique des uns et des autres, des militants en particulier en faveur de la cause du peuple sahraoui, est un travail colossal, un travail très utile. Je crois qu'on n'en fait pas assez dans le domaine et ça participe toujours de bonne volonté, de petites équipes qui, avec de très petits budgets, réalisent des choses formidables. Effectivement, le produit est là, mais il ne circule pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le régime marocain a organisé maintenant depuis des décennies un véritable embargo médiatique sur la cause sahraoui. C'est ainsi que vous n'entendrez jamais parler
Par exemple, du problème sahraoui, c'est de grandes chaînes de télévision, principalement en Europe, aux États-Unis. Et cela, le Maroc a eu ces résultats grâce à des complicités de tous les médias qui sont dirigés principalement par des lobbies sionistes. Et c'est valable aussi pour à un degré peut-être un peu moindre pour le problème palestinien. Mais pour revenir au problème sahraoui, donc, nous avons proposé, y compris donc le comité algérien, mais des comités européens, nous avons proposé ces produits cinématographiques à des circuits de distribution en Europe. Ils ne passent pas. Ils ne passent pas, ou alors dans des petites salles. Ils ne vous répondent pas carrément. Parce que tout simplement, évidemment, on vous sortira toujours le prétexte que ce n'est pas rentable. En fait, non, on ne veut pas de ce produit qui peut déranger d'une certaine façon, qui dérange principalement d'abord les consciences. Tout le problème est là. Ce sont des petites pépites en matière, j'allais dire, de réalisation. Mais ils n'ont pas, j'allais dire, le destin qu'ils méritent. Et surtout, nous, en tant que militants de la cause sahraoui, nous sommes pénalisés par le fait que nous n'engrangeons pas les bénéfices de ce travail de militants, d'équipes militantes pour le projet. Ouais. Vous me faites penser à plusieurs réalisateurs, d'ailleurs même la réalisatrice de ce documentaire qui s'intitule « Dites-leur que j'existe », qui a choisi de prendre un pseudonyme, donc Cécile Courrèges, c'est pas son nom. Hein. On a essayé de la voir pour bien évidemment lui poser des questions concernant ce procédé de comment elle a pu faire ce documentaire, mais surtout comment elle, en tant que réalisatrice vivante en Europe occidentale et une occidentale, qui comment elle a découvert cette question du peuple sahraoui qui souffre encore une fois de cette chape de plomb posée, cette omerta, ce couvercle posé par les médias puissants. Mais malheureusement, j'ai pu la voir au téléphone et elle me dit « Amir, écoutez, j'aimerais bien tant défendre ce documentaire parce que j'y crois et je suis profondément convaincu de cette cause, de la démarche que j'ai faite. Parce que tout simplement, j'ai vu l'injustice, j'ai vu un peuple qui est chassé de ses terres, j'ai vu un peuple qu'on est en train de lui voler son identité, ses racines, et j'ai voulu participer. Mais malheureusement, Amir, je ne pourrais pas afficher mon image parce que je peux souffrir et d'autres éléments de ma famille ou membres de ma famille vont subir... des représailles. C'est assez choquant, M. Saïd Aïchi. Intolérable. Quand un État, quand un gouvernement, quand un régime assez pratique de la voyoucratie, excusez-moi le mot, mais c'est comme c'est ça. Très juste. On est sur des méthodes de barbouze. C'est très juste, c'est très juste. On a parlé donc cet handicap que représente le refus des circuits de distribution à faire passer donc ces documentaires sur la cause sahraoui. Et laissez-moi vous rappeler, Oussad Amir, que ces mêmes documentaires sur la guerre du Vietnam, sur la guerre d'Algérie, sur même maintenant aujourd'hui le problème palestinien, restent des morceaux d'anthologie dans la filmathèque des luttes de libération. Ouais. On revient, c'est très court, mais c'est à la fois très poignant, c'est un jalon dans la lutte des peuples. Et c'est ainsi que, pour le peuple sahraoui, par exemple, nous avons des dizaines de documentaires dans ce sens. Mais non seulement le régime marocain ne se suffit pas de pouvoir, d'une certaine façon, bloquer la distribution de ces documentaires, mais il passe à quelque chose dont il est expert, la menace contre les individus qui le réalisent, c'est-à-dire qu'il veut aller jusqu'au bout de l'impensable pour que cela ne puisse pas être vu par des hommes et des femmes de bonne volonté à travers le monde. Et évidemment, nous aurons l'occasion d'en parler au cours de l'émission, ça fait partie de la panoplie du régime marocain en matière de menaces, de chantage et tout y compris. Rabah Slimani, le réalisateur, a déclaré ici même dans cette émission que pour ces deux produits, Selmine et Wanibik a très très bien fonctionné. Très bien. C'est un film produit d'ailleurs par la télévision algérienne et il y a même l'implication d'autres instances comme le ministère de la Culture qui a encouragé ce documentaire qui nous raconte les espérances et les aspirations de cette jeunesse sahraoui aussi. Magnifique. Qui a le droit
qui a le droit au rêve, qui a, droit, qui a le droit d'espérer une vie meilleure, qui a le droit de voyager, qui a le droit d'avoir le confort du savoir et puis faire du cinéma aussi, fabriquer d'autres films, peut-être qu'il ne parlerait pas que de guerre, mais parle d'humour, parle de la beauté de leur pays, parle peut-être de leur culture, de leur conte, de leur tradition. Il dit, ouais, j'ai aimé, j'ai souffert parce que je n'ai pas été retenu dans des festivals, parce que tout simplement, voilà, il, quand il alors la thématique, il me retire le document. Alors que si Amir, quoi de plus beau que défendre la liberté pour un simple individu, pour un cinéaste, bien sûr, oui, pour un écrivain, pour un poète. Mmh. Ça a toujours été le thème majeur, oui, j'allais dire, des intellectuels, toutes professions confondues. Mmh. Mais puisque vous parlez, vous le faites si bien, de la jeunesse sahraoui, mmh, je voudrais quand même faire remarquer qu'aujourd'hui, dans les camps des réfugiés sahraouis, mmh, qui datent de 45 ans, mmh, il y a des jeunes qui sont nés dans les camps. Oui. Et puis maintenant, avec la parabole, ils voient ce qui se passe dans d'autres pays, oui, d'une part. Mm. D'autre part, ils sont conscients de leur droit de pouvoir choisir librement leur destin, mm, qu'on leur refuse. Mm. Et cette frustration accumulée, mm, vous en faites évidemment, mm, des gens qui sont tout à fait, j'allais dire, hors de leur temps. Mm. Ils voient comment les gens vivent ailleurs, vous venez de le dire, mm, comment les gens jouissent, comment les gens s'épanouissent, comment, mm, les gens trucs. Et eux, ils sont confinés dans des camps et ils, mm, ne peuvent pas aller, d'une certaine façon, avoir le privilège de construire leur propre pays. Mm. Voilà un drame. Mais ceci, bien sûr, vient ajouter, comme encore une fois, comme un crime, parce que commet le régime marocain, mm, à l'encontre du peuple sahraoui. Ouais. Vous plaidez pour, justement, pour que le peuple sahraoui ait son indépendance et de choisir son destin. Mais après tant d'années, La question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi tant d'entêtement de la part de ce régime, encore une fois, qui s'entête à vouloir rester dans cette formule démodée qui s'intitule ou qui s'appelle désastreusement ou malheureusement la colonisation, et qui insiste à ce que ce problème ne soit pas réglé. Les blocus sont là. On ne veut pas améliorer la situation dans le sens où c'est une tâche dans l'histoire du Maroc, celle du Maghreb, celle de l'Afrique et même celle du monde. La dernière colonie en Afrique, c'est une tâche dans le monde aussi, parce qu'aujourd'hui, le monde a d'autres peut-être priorités, celle d'éliminer le réchauffement planétaire. On parle aujourd'hui du défi ou du challenge de cette ressource H2O, de l'eau. On parle d'éliminer tout simplement les maladies, comme on a eu cette expérience contre le coronavirus. Et on a un pays voisin qui colonise un autre pays. Alors, ça fait. Pourquoi le Maroc s'entête à ça? Alors, ça fait d'abord, vous avez raison, j'allais dire très décalé, mm, pour ne pas dire ringard, mm, d'aller faire une occupation territoriale, une colonisation territoriale. Mm. Le néocolonialisme, aujourd'hui, s'il en est, qu'il existe, et il existe, c'est le néocolonialisme surtout économique, oui, quand il n'est pas culturel. Mm. Territorialement, cela est pratiquement dépassé. Il ne reste que deux pays principalement qui le pratiquent, mm, c'est l'entité sioniste et le régime marocain, oui, contre le peuple palestinien et contre le peuple sahraoui, respectivement. Pourquoi le Maroc le fait? D'abord, laissez-moi rappeler, et ce que je vais dire est vérifiable, mm, le roi Hassan II lui-même, déjà dans les années 60, mm, mais ses ministres également, ont plaidé d'abord pour l'autodétermination du Sahara oriental. Mm. Et si je dois remonter encore plus loin dans l'histoire, ouais, le roi Alphonse d'Espagne, à un moment donné, a demandé au roi du Maroc de l'aider d'une certaine façon, après la colonisation du Sahara oriental par l'Espagne, de l'aider à domestiquer les tribus sahraouis. Mm. Et le roi d'Espagne, le roi du Maroc, a répondu, cela historiquement vérifié, mm, que ses limites s'arrêtent au Wadi Noun, au-delà, mm, de Wadi Noun, mm, il ne peut rien faire. Tout simplement parce que le roi Hassan II a subi deux coups d'État
qui était très très dangereux, 70-71, l'affaire de Srirat et l'affaire du Boeing. Mmh. Et j'allais dire par la suite, conseillé par les uns et par les autres, il a opté pour ce problème de l'annexion du Sahara occidental, tout simplement pour réaliser une union sacrée autour du peuple sahraoui. Mmh. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, dans la classe politique marocaine qui est complètement laminée, vous n'entendrez plus parler ni des socialistes, ni des communistes, ni des islamistes. Ils ne sont là que pour servir le roi et le marzen. Mm. C'est un faire-valoir du régime marocain. Mm. Et bien sûr, aujourd'hui, le Maroc sait qu'il n'a aucun droit sur le territoire du Sahara occidental, puisque plusieurs juridictions internationales l'ont clairement prononcer que le peuple sahraoui est chez lui au Sahara occidental. Et d'ailleurs, la Charte des Nations Unies et le droit international recommandent pour le peuple sahraoui donc le référendum d'autodétermination. Sauf que le Maroc, bien sûr, évidemment, et ses amis, ses soutiens vous le diront, aujourd'hui considèrent que s'il venait à abandonner cette question, il y va du sort de la monarchie marocaine. On ne peut pas construire ou, d'une certaine façon, pérenniser un régime politique sur les dépouilles des Sahraouis. Bien entendu, cela est tout à fait intolérable et insupportable. Alors, vous dénoncez à travers vos différentes interventions devant les instances internationales, mais pas que, sur les différents médias nationaux et internationaux, sur justement ces pratiques inacceptables du régime du Marzen envers les Sahraouis. Vous parlez de répression, d'arrestation brutale et arbitraire, de torture et de condamnation injustifiée, injustifiable et injuste. Et c'est le cas de Nahma Asfari d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a choisi ce documentaire. Et c'est un exemple type de violation des droits humains et de violence contre un militant pacifiste. Justement, quelle est la réponse des instances qui veillent à ce que le droit international humanitaire soit respecté dans le monde? Pourquoi aussi on ressent une sorte de non-réponse ou du moins une lenteur à vouloir tout simplement condamner, mais fermement, où la communauté internationale doit dire non? Le plus important, c'est quand vous parlez de ces violations des droits de l'homme, la panoplie est très large. Si on parle du Sahara occidental et des violations des droits de l'homme au Sahara occidental, ça peut aller d'abord de la bastonnade à l'exécution extrajudiciaire avec le viol, le vol, bien sûr l'incarcération. Le groupe de Gdimizik dont Nahma Asfari faisait partie a d'abord été traduit devant des juridictions militaires, ce qui n'était pas acceptable. Il a fallu une campagne internationale pour qu'ils soient rejugés devant des juridictions civiles et ils sont condamnés. La plus faible sentence, la plus faible condamnation, c'est de 20 ans. Ça va de 20 ans à 30 ans et à perpétuité pour les 22 Sahraouis qui ont été arrêtés après le massacre de Gdimizik. Sur ce sujet-là, il y a d'un côté ces violations qui ont été documentées, vérifiées, par plusieurs ONG internationales à vocation de défense des droits de l'homme. Je peux citer Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline, etc. Ça a été aussi répertorié par les départements d'État américains à plusieurs reprises. Ça a été fait par la Fondation Kennedy pour la justice. Ça a été fait aussi par le Parlement européen, le fameux rapport Tannock de 2013. C'est-à-dire, ce ne sont pas les documents qui font défaut. Le régime marocain vole et viole bel et bien les droits de l'homme au Sahara occidental. Tout là est bien fait. Et dernièrement encore, le Maroc, au comité des droits de l'homme à Genève, qui relève des Nations Unies, a été épinglé durement par cette commission. Mais le problème, ce n'est plus là. Et évidemment, le problème maintenant, quelle est la sanction? Comment le Maroc va arrêter de le faire? Et alors, à ce moment-là, les bonnes consciences sont interpellées, les institutions internationales en charge de ce dossier sont interpellées, les gouvernements sont interpellés. Comment peut-on... Je vous donne un cas d'école. Pour avoir un accord d'association entre un pays
et l'Union européenne, la première des conditions, c'est le respect des droits de l'homme. Oui. Or, le Maroc les viole de façon caractérisée, de façon systématique. Mais le Maroc reste un partenaire de l'Union européenne et avec un statut avancé, c'est-à-dire des privilèges par rapport aux autres associés partenaires de l'Union européenne. Mais ça, ça peut porter, excusez-moi, docteur Ayachi, ça peut porter préjudice à cette image qu'on veut donner de l'Occident. Absolument. Celui qui adore les slogans démocratie, égalité, fraternité, paix dans le monde. Mais qui plus est, nous donne des leçons sur la démocratie. Sur les droits de l'homme. Rappelez-vous ce qu'a enduré notre pays pendant des décennies. Comment nous avons été, accusés de tout en ce qui concerne les droits de l'homme. Mais pas seulement l'Algérie, d'autres pays. Alors ça, c'est le double standard, les deux points de mesure. Pour quand il s'agit du Maroc, c'est documenté, mais on ne le fait pas. Mais plus que ça. Oui. Le Maroc pratique, sans vergogne, sans état d'âme, sans scrupule, la menace. Ils pratiquent les pressions, ils pratiquent l'inondation de la drogue, ils pratiquent l'immigration clandestine. Rappelez-vous les 100 subsahariens qui ont été tués à Ceuta en juillet 2021. Et aucune, vous n'entendez aucune voix pour la forme, bien entendu, mais vous n'entendrez jamais une condamnation sérieuse, définitive. En fait, si on fait un bilan, le Maroc est tout simplement, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, un État voyou. C'est un État infréquentable au regard des normes internationales. Et pourtant, il a des relations privilégiées avec l'Occident. Il a des relations privilégiées avec l'Union européenne. L'Union européenne elle-même, il a installé une véritable machine de guerre à l'intérieur du Parlement européen. Il est parti corrompre les députés européens. Mais imaginez un seul instant que ce soit un pays comme l'Algérie ou je ne sais qui aurait fait ça. Vous aurez entendu des protestations, des condamnations, des cris d'orfraie, des trucs. Non, le Maroc, ça, on essaie de faire passer ça par petit profit peut-être. L'enquête continue, il est vrai, mais on ne sait pas. Autre exemple. À propos de la violation, de la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidental. Vous savez que le Maroc spolie de façon systématique et organisée les ressources naturelles sahraouies et les commercialise en Europe, s'il vous plaît, dans le cadre d'accords spécifiques entre le Maroc et l'Union européenne. Et les marchés européens regorgent de produits sahraouis sous le label marocain. Et bien sûr, le roi et son barzel engrangent les bénéfices de cette commercialisation. Le Front Polisario a déposé plainte devant la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a donné raison au Front Polisario. En toute lettre, de façon claire, il a dit ceci. Ces ressources naturelles du Sahara occidental ne peuvent être commercialisées qu'avec l'assentiment, avec l'accord et le consentement du peuple sahraoui, qui doit être consulté. Et par la même occasion, il a dit... Il n'y a aucun lien de vassalité entre le Sahara occidental et le Maroc. Il a même ajouté que le Front Polisario a le droit d'essayer en justice en tant que représentant légitime du peuple sahraoui devant toutes les juridictions européennes. Eh bien, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement introduit un recours contre cet arrêt de justice de sa propre Cour de justice, et nous attendons l'énoncé définitif de jugement. Elle a fait deux fois recours. Le jugement date de décembre 2016, et jusqu'à aujourd'hui encore, il n'est pas prononcé de façon définitive. Comme j'imagine, bien évidemment. Alors, si vous avez votre raison, votre question est très pertinente. Maintenant, que vont faire les Européens vis-à-vis, quand je dis les Européens, les responsables européens? Que vont-ils faire devant l'énoncé de la Cour de justice européenne? Vont-ils respecter leur propre justice? Pourquoi l'Union européenne ne réagit pas à la violation du Parlement européen par le Maroc? Pourquoi, vous savez très bien le scandale Pegasus, pourquoi le Maroc n'a pas été sanctionné pour avoir espionné de très hauts dirigeants européens? Pourquoi le Maroc n'est-il pas sanctionné pour la commercialisation sans limite de la drogue qui lui rapporte 22 milliards de dollars par an? Pourquoi le Maroc n'est pas sanctionné pour les violations au Sahara occidental telles que rapportées par toutes ces ONG? Et cette impunité n'est plus compréhensible. On ne comprend plus comment maintenant ces dirigeants
occidentaux qui, à longueur d'année, nous font des leçons sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur la façon de conduire, de gouvernance. Comment on doit être Oui, et ils ont un cas précis, documenté devant eux, de violation des droits de l'homme et de mauvaise gouvernance, mais il reste un partenaire privilégié. Donc il faut qu'on s'en sorte de ce double standard, il faut qu'on s'en sorte de cette situation ubuesque, kafkaïenne, de dire que le Maroc est bel et bien un État voyou, c'est un État infréquentable et il doit se conformer à ce qui est admis universellement en matière des droits de l'homme et surtout de respect du droit international. Ouais, vous avez anticipé ma dernière ou avant-dernière question, que justement sur Claude Mongin, l'épouse de Naama, qui est une citoyenne française, enseignante, qui découvre justement cette tragédie que subit le peuple sahraoui, et puis dans ce drame familial aussi qu'elle est en train de vivre, elle va subir encore une fois le drame de ces pratiques encore une fois très très douteuses et qui n'honorent pas du tout le Maroc, ceux de l'espionnage de son téléphone, de sa boîte mail, de ses emails, de ses contacts, etc., et des persécutions même pendant la projection de ce documentaire dans des salles. Il y avait des personnes qui venaient déranger l'assistance pour faire du bruit. Commandité par les services marocains, bien sûr. Sans doute. Vous l'avez anticipé cette question, mais peut-être je voulais dire tout simplement que notre position, parce qu'il faut aussi dire aux personnes qui nous regardent que l'Algérie, tout à l'heure je l'ai dit dans mon préambule, on est intrinsèquement lié à ce combat anticolonialiste. Nous sommes un pays qui a subi le pire ou la pire des colonisations, l'une des plus sauvages des colonisations. Nous avons subi la torture, le peuple a subi aussi le déracinement et il a tant inspiré d'autres pays africains et même dans le monde à se libérer, à arracher leur indépendance. Donc ce ne serait jamais possible que l'Algérie puisse être indifférente vis-à-vis d'abord d'un pays comme je le dis, le Sahara occidental qui est un voisin, et le Maroc aussi qui est à nos frontières. Le combat de Claude Mongin, qui est une Française militante de la cause sahraoui et épouse du détenu Naama Asfari, est révélateur de la complicité de la France officielle avec les pratiques du marasme marocain. Claude Mongin a été interdit de séjour pendant des années au Maroc, au motif qu'elle est militante de la cause sahraoui, donc tel truc. Elle a fait une grève de la faim de 30 jours à la mairie d'Ivry, et elle a interpellé le ministère français des Affaires étrangères pour, en tant que citoyenne française, pour lui dire « Je suis interdite de rendre visite à mon mari qui est détenu dans une prison marocaine et je demande à mon gouvernement d'intervenir en ma faveur, tout simplement par respect de la réglementation qui m'autorise à voir mon mari. » Ça s'est fait très difficilement et pour une visite seulement. Évidemment, à côté de cela, vous savez, tous les juristes internationaux qui sont refoulés dans les aéroports, tous les avocats de ces mêmes détenus sahraouis qui sont refoulés dans les aéroports, et dernièrement, des parlementaires européens. Et là encore, on va ajouter à notre questionnement pourquoi le Maroc n'est pas interpellé sur ces pratiques. Quant à la position de l'Algérie, premièrement, et vous avez très justement rappelé d'abord un principe que nous avons hérité de notre révolution, c'est de toujours nous opposer en tant qu'Algériens et Algériens à toute forme d'occupation ou de colonisation d'où qu'elle vienne. Ça, c'est un serment que nous avons fait à nos shuhada et il appartient à chacune et à chacun d'entre nous de le respecter. Et nous le respectons. Nous n'admettons pas qu'un pays colonise un autre, parce que nous savons ce que colonisation veut dire, nous l'avons vécu dans notre chair, et je suis d'accord avec ceux qui parlent de 5 600 000 martyrs algériens depuis que la France a mis le pied à ses défrages en 1830. Oui. Et par conséquent, qu'on ne vienne pas nous donner des leçons sur les affres de la colonisation, et surtout qu'on ne nous raconte pas les bienfaits de la colonisation, alors nous sommes venus vous civiliser, surtout pas ça.
Le deuxième point sur lequel s'articule la position de l'Algérie est tout simplement le droit international. Vous savez que dans ce cadre-là, le dossier sahraoui est clair comme de l'eau de roche. C'est un territoire déclaré non autonome, c'est-à-dire colonisé, sur les tablettes des Nations Unies. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Et la charte des Nations Unies et le droit international qui la sous-tend reconnaît dans sa résolution 1514 le droit au peuple colonisé de s'autodéterminer, c'est-à-dire de choisir librement leur destin. La messe est dite. Le peuple sahraoui, donc, est un peuple colonisé par l'Espagne et il est en droit de pouvoir choisir librement son destin à travers un référendum. Pour la simple raison, si Emile, si vous me permettez, très rapidement. En 1991, en septembre 1991, a été conclu un cessez-le-feu entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Et c'est le Royaume du Maroc qui a demandé le cessez-le-feu. Parce que les unités combattantes du Front Polisario étaient militairement victorieuses sur le terrain. Et les Sahraouis l'ont accepté à une seule condition, qu'il leur soit organisé un référendum d'autodétermination tel que le prescrit le droit international. Et l'ONU s'est engagée à le faire. Et les Sahraouis ont mis leur confiance en l'ONU. Ils ont dit oui, le cessez-le-feu est sous les auspices de l'ONU. Et si l'ONU se porte garant d'organiser ce référendum, nous signons le cessez-le-feu. Ils l'ont signé parce que l'ONU s'est engagée à le faire. Là, j'en veux pour preuve qu'elle a créé ce qu'on appelle la MINURSO, Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Ça fait 33 ans que les Sahraouis attendent. Ça fait 33 ans que les Sahraouis attendent la réalisation, la concrétisation de ce référendum. Et donc, il est normal. Il est normal qu'aujourd'hui les Sahraouis perdent espoir et d'une certaine façon, peut-être regrettent d'avoir signé un cessez-le-feu alors qu'ils étaient militairement victorieux sur le terrain. Et donc aujourd'hui le problème, nous avons parlé de cette impunité dont jouit le Maroc de la part de certains cercles internationaux et surtout de l'Occident. Et nous parlons aujourd'hui du fait que de cette léthargie, de cette lenteur au sein du Conseil de sécurité qui n'applique pas les résolutions qu'il émet lui-même. Chaque année, le Conseil de sécurité accouche d'une résolution qui reconnaît au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. Mais il n'y a pas d'organisation du référendum. Vous savez que pour arriver, j'allais dire, d'une certaine façon, à résoudre le problème du conflit du Sahara occidental, et le secrétaire général des Nations Unies délègue son envoyé personnel pour essayer de rapprocher les deux belligérants, que sont le Front Polisario et le Royaume du Maroc, pour négocier la fin du conflit. C'est le rôle de l'envoyé personnel. Quatre envoyés personnels avant l'actuel, M. de Mistura, quatre avant lui, ont été obligés de démissionner parce qu'ils ont trouvé des entraves et des handicaps qui ont été placés sur le chemin par le Maroc. Et tout le monde le sait, et ceci est clairement vérifié sur le terrain. Et M. de Mistura, je suis de ceux qui pensent qu'il est sur la même voie, puisque très dernièrement, il y a une année, il a demandé à aller au Sahara occidental pour avoir le contact avec les Sahraouis. Et le régime marocain lui a dit « Ok, vous pouvez y aller, mais si vous êtes accompagné par des fonctionnaires marocains, ce qu'il a refusé, c'est tout à son honneur. » Mais ça veut dire que ça ne va pas aller plus loin. Le problème qui se pose aujourd'hui, on a posé le problème de l'impunité dont jouit le Maroc. Aujourd'hui, on pose le problème de la léthargie, de l'inaction du Conseil de sécurité. Et pourtant, les mécanismes de l'ONU, qui ne sont pas parfaits, ont prévu que si un pays n'applique pas les résolutions de l'ONU, on passe du chapitre 6 au chapitre 7 et les résolutions deviennent contraignantes. Personne ne veut passer à un chapitre 7 parce qu'il y a des membres du Conseil de sécurité, dont la France officielle, qui protègent le Maroc. Vous avez entendu parler de cette rengaine qu'on nous sert depuis des siècles, la France, patrie des droits de l'homme. D'accord ? Je crois que d'autres civilisations, en fait, ont, d'une certaine façon, codifié les droits de l'homme. Omar al-Khattab, radiallahu anhu, l'émirat Abdel Kader, les droits de l'homme ont existé bien avant 1789. Bien avant 1789. Mais bon, allez, acceptons que la France soit la patrie des droits de l'homme. Comment se fait-il que, en 2013, la France s'oppose par un droit de veto
à l'élargissement du mandat de la MINURSO pour la défense et le respect des droits de l'homme au Sahara occidental. Peut-on nous l'expliquer? Ou alors on va continuer à nous mentir que la France est la patrie des droits de l'homme? La France devrait être la première à recommander l'élargissement du mandat de la MINURSO. Tout ça fait qu'il y a, il y a tout un contexte, j'allais dire, de qui se fait autour du Maroc, qui n'a aucun argument juridique, qui n'a aucun argument diplomatique, mais qui a le soutien de certaines puissances occidentales au sein du Conseil de sécurité et qui font fi du droit du peuple sahraoui à pouvoir. Et évidemment, aujourd'hui, je crois que la conscientisation est internationale, qu'on ne vienne plus nous raconter ces histoires de gouvernance, de bonne gouvernance, de démocratie, de droits de l'homme, dont tout le monde devrait en profiter. On veut bien que le peuple palestinien et que le peuple sahraoui puissent bénéficier des mêmes attentions qui sont accordées aux Ukrainiens. Ce serait pas mal. Et ça, on pourrait à ce moment-là peut-être sortir du deux poids, deux mesures. Exactement. Merci beaucoup, monsieur le docteur Saïd Laïchi, d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Nous allons vous garder avec nous parce qu'en deuxième partie, nous allons rendre hommage à Sid Ali Mazif qui nous a quitté, ce cinéaste engagé. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour votre mission, mais pas que, parce que ce n'est pas qu'une mission, mais ce sont vos valeurs et ce sont vos convictions, parce que vous êtes un militant des droits de l'homme et j'espère qu'à travers tout ce que vous faites et tout ce que fait l'Algérie, nous arriverons à insuffler à ce monde qui devient de plus en plus dur et rigide et cette conscientisation et cette sensibilité. Moi, je crois que c'est à l'honneur de l'Algérie. Oui. Si vous me donnez juste une minute, il y a une anecdote importante pour dire que c'est à l'honneur de notre pays et de cette très grande révolution que nous avons cette position historique et honorable. Oui. Vous savez que la diplomatie algérienne, flamboyante et très percutante, est né en 1955 à Bandung, à la conférence de Bandung en Indonésie. Et en 1955, des dirigeants de la révolution, en l'occurrence Aït Ahmed Allah Yarhamou, avec Mohamed Yazid, je crois Cheikh Lil Mekki aussi, sont partis à Bandung plaider pour la révolution algérienne. Ils avaient l'appui de Jamel Abdel Nasser, ils avaient l'appui de Tito, ils avaient aussi l'appui de Sukarno, qui était l'invitant, la puissance invitante et qui a beaucoup, beaucoup facilité les choses pour les Algériens avec d'immenses banderoles dans les rues, etc. Et effectivement, la référence de Bandung, c'était, je viens de le dire, la naissance de la diplomatie algérienne, mais c'est aussi, ça a été un start important dans l'internalisation de la guerre d'indépendance algérienne. Et donc, nous avions une dette envers l'Indonésie. Qui a fait ce truc-là? Et puis, nous sommes devenus indépendants. Il y a eu le problème du Timor-Leste. Timor-Leste est juste à côté de l'Indonésie. Et les Indonésiens, cela peut arriver, avaient un œil sur le Timor-Leste. Ils voulaient absolument, dès que les Portugais en sortaient, et ils voulaient récupérer le truc. On leur a dit non. L'Algérie leur a dit non. Nous avons une dette envers vous. Vous êtes nos amis. Vous avez beaucoup aidé. Mais nos valeurs et nos principes. Dans ce truc-là, on ne transige prime pas. Sur tout ça. On ne transige pas. Il n'y a rien à négocier. Timor-Leste doit être indépendante. Ça, c'est parce que c'est à l'honneur de l'Algérie. Ce sont ces invariants, ce sont ces référents que nous avons hérités de notre révolution qui sont les jalons de notre diplomatie et de la conduite de l'Algérie dans ces problèmes-là. Et c'est l'essence même de la proclamation du 1er novembre qui est une proclamation non pas seulement juste pour libérer l'Algérie parce que c'est, encore une fois, c'est intrinsèque chez nous, mais c'est pour libérer le monde de toutes les colonisations et de toutes les oppressions. Absolument. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Donc on va laisser tout simplement les téléspectateurs découvrir ce documentaire « Dealer que j'existe » de Cécile Courrèges. Je voudrais sans abuser de votre gentillesse, mais parce que vous avez, c'est un peu de votre faute. Vous savez que l'Algérie, et c'est à l'honneur de notre histoire, dans un passé très récent, nous avons accompagné, nous avons aidé, soutenu, nous sommes solidarisés avec 15 mouvements de libération africains et extra-africains. Et rappelez-vous le mot d'Amiral Cabral, l'Alger
Mecque des révolutionnaires et citadelle des hommes libres. Et par conséquent, aujourd'hui, le Front Polisario est un mouvement de libération qui est reconnu, qui est représenté dans 120 pays à travers le monde. Pourquoi aujourd'hui on faillirait à notre démarche et à notre histoire que nous avons soutenu ces mouvements de libération et aujourd'hui on ne soutiendrait pas le Front Polisario? C'est dans la même logique des choses. Voilà pourquoi nous sommes aux côtés des Sahraouis. Parce que c'est notre histoire, parce que c'est notre ADN, notre, contre toute forme de néocolonialisme, et parce que nous ne voulons pas absolument que ce conflit perdure à nos frontières, parce qu'il menace la paix, la sécurité, la stabilité de la région. Le message est passé. Dis-leur que j'existe. C'est tout de suite sur Canal Algérie. À dans 45 minutes, mesdames et messieurs. Pour divier le contrôle de la police, parce que presque à 20 km, on a presque 3 ou bien 4 contrôles entre la police et les gendarmeries pour arriver au campement, et surtout il y a des étrangers avec nous. On a préféré partir par cette piste. Alors ça va être un peu dérangeant pour vous, mais c'est une expérience aussi. Regarde, vous voyez là tout ça. Là, ils creusent des tranchées, pourquoi ? Voilà, ils creusent des tranchées pour empêcher, parce qu'avant, ils ont fait des contrôles très limités. Là, mais pour empêcher ce genre d'Land Rover, des 4x4, de rentrer par là. Parce que les Land Rover, ils apportent... Ils apportent de l'alimentation et ils apportent même les habitants qui veulent rejoindre le campement. Parce que normalement, le campement a commencé il y a 2 semaines. Le premier semaine, c'était presque 300-400 tentes. Mais avec l'arrivée massive de la population civile, ils ont continué à emmener plus de militaires et ils ont commencé à creuser ces tunnels-là. Là, on est rentré ? Oui, on est rentré. On a dépassé le contrôle des gendarmes. Regarde là-bas. Là, c'est les militaires aussi ? C'est les militaires, oui. Ouais, mais il y a quand même camion. Surtout le camp, vous aurez tout le temps de filmer, de regarder. Surtout à ce moment-là, on a encore du soleil.
On le trouve presque en plein milieu du campement. Comme vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a presque 6000 tentes, presque de 20 000 exodés. Et ça a commencé depuis 2 semaines et aujourd'hui on arrive presque au 15e jour. La situation, c'est toujours l'empêchement et le contrôle des militaires marocains et de toutes sortes de forces d'ordre. Mais le plus important, c'est cette volonté de la population civile de continuer à venir à ce campement-là. Là, c'est un coin de provisionnement de l'eau. Et comme je vous ai expliqué aujourd'hui, que les autorités marocaines, ils ont interdit d'emmener de l'eau même de la ville pour faire pression sur les habitants du campement. Là, vous avez tout regardé. Ça, c'est la plus grande concentration des militaires et de forces de l'ordre marocain. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait presque la tournée de tout le campement. C'est quoi qu'on voit là-bas, là, à l'entrée? Alors, quelle entrée? C'est le contrôle de la gendarmerie. C'est là où on est rentré tout à l'heure. Bueno, señores, díganme cuáles son sus esperanzas. Pensaremos. Le Bedil en taqrir el masir. Cada uno es libre. Queremos la autonomía. Libertad, que sea el Sahara libre. Viva el Sahara. Dignidad. La victoire. El Hurriya wal Istiqlal. La independencia. Libertad e independencia. حكم الذاتي تحت سيادة الأمم المتحدة. لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حد يبغيكم الخير الله يجزيكم السنتولم. حد يبغيكم. تود ويد واحدة. حد يبغيكم الخير السنتولم. هذا هو انتصار عظيم للصحراويين، هذا أكبر انتصار، هذا العصيان المدني وهذا النزوح الجماعي أكبر رسالة للعالم أن نحن الشعب مجوع فرده وعندنا من الخير اللي يغنينا. الله بصمودنا وصمودنا صمودنا.
l'assaut des forces militaires contre le camp abritant quelques 20 000 Sahraouis près d'El Ayoun. Cet assaut s'est soldé par plusieurs morts et blessés. La lassitude des Sahraouis s'exprime encore de manière pacifique, notamment en se regroupant dans ce camp, mais pour combien de temps ? Je vous demande solennellement d'interpeller d'urgence le pouvoir marocain pour qu'il cesse ce carnage humain. Je vous demande d'exiger que des journalistes et des observateurs internationaux puissent se rendre en zone occupée pour témoigner de l'exactitude des faits. Je vous demande d'agir au plus vite pour que les militants des droits de l'homme soient libérés sans délai. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, je regrette la façon dont vous avez été refoulé du territoire marocain. Il n'est pas admissible qu'un représentant élu de la nation soit ainsi refoulé. Le procès de Gdeï Mizik. En 2010, Gdeï Mizik avait un grand rassemblement sahraoui à côté de l'Ayoun. Et mon mari est un militant indépendantiste. Et il a été arrêté avec 22 camarades. Et ils sont passés au tribunal militaire il y a 2 ans. Ils ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à perpétuité. Donc voilà. Vive le Sahara libre. C'est une très belle journée, hein. Il y a un beau paysage avec l'ancienne ville de Salé, le Mella, le Chella. Ah oui, depuis 5 ans, je viens tous les 3 mois. Donc j'ai eu le temps de tout visiter. Mais je préférerais me promener dans la Badia, hein, avec mon mari, plutôt que de le voir en prison, alors qu'il n'a rien fait, il est innocent. Hein. Et son papa a fait 16 ans de disparition dans les bagnes de Hassan II. Donc c'est une famille qui se bat pour son pays. Et jusqu'à présent, le royaume se venge sur ses militants. Comme tous les matins, je vais à la prison de Zaki pour voir mon mari. On parle peu de l'avenir parce qu'on ne sait pas combien de temps l'emprisonnement va durer. Donc, c'est pas la peine de se projeter alors qu'on ne sait rien. Après, on échange des nouvelles de la famille. Son papa est très malade. Il y a déjà 6 papa et maman qui sont des autres prisonniers qui sont morts depuis qu'ils sont en prison. Probablement qu'il ne reverra pas son papa vivant. Son papa est très vieux et il ne peut pas voyager. Ils sont quand même à 2000 km de leur famille. Là, après, je parle de mon travail, je parle de ce que je vis, des difficultés que je vis aussi. Et puis, j'apprécie le fait qu'ils s'intéressent à ce que je fais en France et qu'ils m'encouragent quand j'ai des difficultés. C'est un véritable soutien pour moi, malgré qu'ils soient loin, qu'ils connaissent ni où j'habite, ni mon travail, puisque j'ai déménagé chez Jean Chez de Travail depuis qu'il est en prison. Ma chère Claude, je ne compte plus les jours depuis que nous sommes enfermés. On doit se battre pour tout et contre tous. Pour avoir une couverture. Pour avoir des livres ou du papier pour écrire. Pour avoir des soins médicaux. J'ai passé des mois à l'isolement, seul entre 4 murs. Seul face à soi-même, sans rien pour s'occuper. Chaque heure est un long combat. Chaque jour nous éloigne un peu plus de la réalité. Je ne veux pas perdre pied. Mais tellement d'incertitudes nous entourent. On nous a enfermés pour nous oublier. Malgré nos successives grèves de la faim, nous ne sommes pas entendus. J'aimerais que tu lances un appel à toutes les ONG pour qu'ils se mobilisent et demandent aux autorités marocaines notre libération immédiate.
ou un procès juste et équitable, après ces longs mois de détention préventive. Nous nous sommes rencontrés de manière assez triviale, qui était, c'est-à-dire que moi, à cette époque-là, j'étais depuis plus d'un an dans les camps de réfugiés sahraouis, où je faisais de la formation à l'animation pour les animateurs de centres de loisirs, et j'avais besoin de louer mon appartement. Je ne le connaissais pas avant, donc il m'a expliqué qu'il était en France depuis 1999, il est arrivé avec une bourse pour faire du français, et qu'il était en étudiant en droit international, qu'il faisait ses études, il ne militait pas. Et personne ne le connaissait dans la solidarité sahraoui à l'époque. Et c'est à partir du moment où on a été mariés que je lui ai fait rencontrer les personnes de la solidarité, donc qu'on a créé cette association de Corelso en novembre 2004. Il était là à toutes les réunions, et puis après, en mai 2005, il était à Laayoune au moment de l'intifada. Il faisait des allers-retours avec le Sahara occidental, avec l'Algérie aussi, pour les conférences internationales. Quand il était à l'école primaire à Ksabi, ses oncles le poussaient beaucoup pour qu'il fasse des études parce qu'ils savaient qu'il serait un jour quelqu'un, parce qu'il était le fils de son père, l'aîné de son père, et que c'était une famille de militants et que lui aussi un jour prendrait sa place. الشعب الصحراوي هنا باللجوء في احتفالات 34 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نحن مناضلين ومشروع معتقلين، ولكن قبل ذلك مشروع شهداء هذه القضية الوطنية. Buah, yo no me gusta hablar de Nama. He combatido con él muchas cosas duras y muchas cosas muy bonitas. Me acuerdo que he viajado con él por todo el Sahara. Y no solo el Sahara, pero todos los lugares donde existen saharauis, ¿no? Y como empezamos a hablar con los saharauis para que tienen que actuar, ¿no? Para conseguir los derechos. Tenemos que hacer algo por nuestro país, pero ha sido un hermano, ¿no? Porque siempre nos ha apoyado mucho en muchas cosas. Y también como nos enseñaban que hay que luchar, ¿no? Pacíficamente, ¿no? Cuando salí de este día, me detuvieron y me llevaron al cuartel de Gendarmería. Y desde que me detuvieron empezaron a torturarme y a maltratarme. Y todos los tipos de torturas, quitándote toda la ropa, toda, echando agua fría. Yo me acuerdo y se me quedó marcado que estuve en una habitación y la pared de la habitación estaba lleno de sangre. Y me decían, ¿sabes esa sangre de quién es? Es de tus compañeros, de Nama, de Sbai, de los compañeros que están en la cárcel. Esa es su sangre. Cuando él fue enlevé el 7 de noviembre de 2010, on n'a pas eu de nouvelles, on n'a jamais été d'abord prévenu de son arrestation. On n'a eu aucune nouvelle pendant 5 jours et après, on a su par d'autres gens qu'ils étaient effectivement à la prison de Salé. Je suis venue le plus vite possible. Cette première visite, on a été reçus dans un parloir, dans la pénombre. Il y avait un mur d'un mètre de haut avec au-dessus un grillage très serré. Et au bout d'un moment, Nama est arrivé par une porte à droite dans la pénombre. Ils l'ont laissé d'ailleurs dans la pénombre tout le temps. Je lui ai demandé de se mettre plus à gauche
pour être moins dans la pénombre, mais ils ne l'ont pas autorisé. L'entrevue a duré 5 minutes. Ça a été très, très pénible parce que Nama ne souriait pas. Il n'avait pas de lunettes parce que depuis 6 ans d'arrestation, chaque fois qu'il est arrêté, il lui casse ses lunettes. Et comme il ne voit rien d'un œil et de l'autre 2/10, il a été dans le flou pendant toute cette période. Et il m'a seulement demandé des nouvelles de ses camarades. Donc je lui ai dit tous ceux qui étaient arrêtés. Alors à la fin, il m'a dit, eh ben, ils ont tous été arrêtés. En 2010, on l'a déjà soutenu au cours des précédentes arrestations les années d'avant, à travers des appels urgents pour demander sa libération et à travers un soutien moral à Nama Asfari et à son épouse. Et nous avons évidemment accentué notre soutien à partir de son arrestation dans le cadre du démantèlement du camp de Gdamizik pour dénoncer les tortures subies par Nama Asfari. Sur tout le trajet conduisant au poste de police de Laayoune, il a été à nouveau roué de coups, et notamment de coups de pied et coups de talkie-walkie sur la tête. Arrivé au poste de police de Laayoune, il y est resté de environ 10h du soir à 4h le lendemain matin, donc il a été interrogé une partie de la nuit. Et pendant ces interrogatoires-là, donc il a été à nouveau frappé. Il a été mis sur le ventre, puis sur le dos et frappé sur la plante des pieds. Donc c'est le supplice qu'on appelle le supplice de la falaka, la lacération de la plante des pieds avec des coups répétés. Il a été humilié à de nombreuses reprises. Il a été frappé au niveau du visage, au niveau du corps aussi. Et ce, jusqu'à ce qu'il soit transféré donc la nuit du 11 au 12 novembre au tribunal de Laayoune. Pour là où on l'a forcé à signer un procès-verbal sans quoi on menaçait de le renvoyer aux mains de ses tortionnaires. Deux ans que nous attendons ce procès, que nous nous préparons chaque jour, chaque nuit. Enfin, ce jour est bientôt là. Ce procès sera peut-être la seule occasion pour nous de dire ce que l'on a à dire, de se faire entendre, de le crier s'il le faut. Notre voix portera la voix du peuple. Ce sera un moment historique. J'espère que les observateurs internationaux viendront pour rendre compte de ce qu'il se passe chez nous et au Maroc. Pour que des étrangers voient comment les Sahraouis qui osent parler et agir sont traités, privés de parole, privés d'action. On arrive à l'audience, le tribunal est complètement encerclé, comme la fois précédente. On est aussi très nombreux comme observateurs. Les accusés rentrent, comme chaque fois, comme ce sera chaque fois au cours de l'audience, donc ils sont tous en tenue traditionnelle, et ils rentrent à la fois très calmement, très dignement, mais très revendicatifs, puisqu'ils entrent tous en faisant les bras levés, le lever de la victoire. Nama Asfari a été appelé le premier là-bas, parce qu'il est considéré comme étant l'instigateur, le chef de file de l'organisation de Gdamizik. Donc c'est lui qui a été appelé le premier. Et là, il est intervenu tout de suite. Bon, il a dit plusieurs choses, mais il a dit surtout une chose. Alors, parce qu'il a parlé en arabe, mais il a aussi parlé un peu en français. Et il a dit la chose suivante. Aujourd'hui, on plante un clou dans le cercueil du colonialisme marocain. C'est vraiment un jeu bizarre, puisque les autorités marocaines veulent démontrer ou montrer ces Sahraouis comme étant des criminels, mais en fait, ils leur ont donné une occasion pour vraiment expliquer à tout le monde, surtout ceux qui étaient là, les observateurs internationaux et tout, qu'il y a une cause pour laquelle eux, ils sont convaincus, et c'est pour cette cause qu'ils militent et c'est pour cette cause qu'ils sont là. J'appelle à la barre M. Nama Asfari.
Oui, bonjour. Je me demande pourquoi on est là, pourquoi on est traduit devant un tribunal militaire. On est des civils. Et hier, vous avez accordé une journée pour les dépasser la forme. Nous, ça fait 40 ans que ça dure, Madame la Présidente. Il s'agit d'un procès politique. Moi, je ne suis pas un criminel. Et le Président lui répond, je suis prêt à t'entendre toute la journée, mais parle des faits. Et là-bas, avant de parler des faits, il veut parler du pourquoi les faits. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Gdemizik, c'est pas quelque chose qui est né comme ça, brutalement. C'est effectivement la production de 40 ans d'humiliation et de négation du droit du peuple sahraoui. Lui, il veut parler du peuple sahraoui, il veut parler de son père qui a été disparu pendant 16 ans, de sa mère qui est décédée, il veut parler de, des manifestations, il veut parler de tout ça, de la légitimité, il parle au Marocain, il y a un moment où il va se retourner vers la salle pour parler aux familles, pour exprimer ses condoléances, sa compassion. Il y a un moment où il va dire que les Sahraouis et les Marocains se battent pour la même chose. Ils ont tous les deux besoin de liberté, de la fin d'un régime de torture, etc. Siempre sale en nama, siempre que le ordena, que dice, mira, tú tienes que matar este, tienes que asesinar este, tienes que coger este. Y a mí, pues ahí me dicen que yo he matado, asesinado a un policía junto con Sbaï Ahmed, porque Naima nos dijo que tenemos que hacer eso. Dans l'acte d'accusation, il est l'instigateur. C'est lui l'organisateur, c'est lui qui a manipulé. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد فاضل الذي صرح بشكل إجمالي في موضوع الدعوة على أنه لم يستطع أن يجد علاقة مباشرة بين الفاعل والضحية. هناك ضحايا لكن من قتلهم؟ من أزهق أرواحهم؟ وطرح سؤال فريد يبقى سؤال محوري في القضية. من قتل من؟ Si nosotros hemos asesinado como ellos han dicho, ¿por qué han negado hacer una autopsia? ¿Por qué no hacen una autopsia con médico forense? Decir, mira, las huellas de Hassana, las huellas de Nama, las huellas de Bashir, de Sbaï, del otro. Y así, más justificante que ya, sí, hemos matado. On était vraiment dans un corps retranché, il y avait une présence phénoménale de forces de police. C'est-à-dire, comment la justice peut être rendue de façon sereine, dans un climat pareil, hein? C'est en ça que je disais tout à l'heure, ça a été une mascarade tragique quand même. J'ai assisté le procès de M. Asfari Naima comme témoin. Quand j'étais là-bas, j'ai expliqué que M. Asfari a été arrêté le 7. Et les policiers ont été tués le 8. Comment on accepte cette contradiction? Revenons au 7 novembre, revenons au 8 novembre. Madame la Présidente, moi je ne suis pas arrêté le 8 novembre, j'étais arrêté le 7 novembre. Mais le PV dit que vous avez été arrêté le 8 novembre. Mais quel PV? Le PV a été signé par mes empreintes. Les empreintes, c'est pour les illettrés. Le procès verbal porte votre empreinte. Et pourquoi pas votre signature? بعد ذلك تناول كلمة الأستاذ بوخالد الذي أثار مجموعة من الدفوع والاختلالات الشكلية تتمثل في المسطرة تتمثل في حالة التلبس بطلان المحاضر تصريحات تحت التعذيب عدم إشعار العائلات بتاريخ الاعتقال وفترة الاعتقال الحراسة النظرية le tribunal a donné son verdict. 9 condamnations à perpétuité, dont une par contumace, ça veut dire l'accusé absent. 4 condamnations à 30 ans, 6 condamnations à 25 ans, 3 condamnations à 20 ans, 2 condamnations à 2 ans correspondant à la durée de la détention préventive accomplie. L'iniquité du jugement a été dénoncée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, internationales, marocaines et sahraouies. Sont notamment contestés dans ce procès et ses conclusions. Le fait qu'il soit devant une juridiction militaire et par voie de conséquence l'absence de recours ordinaire possible.
pensando todo. Y pensando que ya cadena perpetua ya es por tu vida, voy a poder ver a mi familia y volver a mi tierra. Los marroquíes pensaban dar miedo a los saharauis. Que mira, que podemos condenaros hasta cadena perpetua. Para que la gente en los territorios ocupados, el pueblo en el Sahara, en los territorios ocupados, para de manifestarse, de luchar pacíficamente. Ce fut à l'instant même de notre arrestation que le régime marocain a rendu son verdict d'une condamnation collective. Il a ainsi trouvé un motif pour nous prendre en otage. Un ordre politique qui dépasse de loin la compétence d'un juge d'instruction et du procureur général. Ce procès historique a changé l'image des Sahraouis pour toujours. Je ne regrette pas une minute d'être ici. J'ai réalisé un objectif de ma vie. Je n'attends rien. J'ai donné tout ce que je pouvais. Je me suis libéré. Cela m'a fait renaître. On a frappé l'ennemi au cœur de sa politique. On l'a fait exploser de l'intérieur. C'est ça l'affaire de Gdaï Mizik, le campement et le procès. L'ennemi croyait détenir tout, mais son château s'effondre. Au fur et à mesure que je prépare mon voyage, que je prépare mon sac, ma valise, et puis après les formalités de police à l'arrivée, il y a toujours beaucoup d'émotions qui apparaissent. Et puis alors après, au fur et à mesure que j'approche de la prison, bon, c'est plus de l'émotion positive, peut-être. C'est un peu de stress, quoi. Savoir comment ça va se passer. Et puis de retrouver Nama, que je n'ai pas vue depuis plusieurs mois. C'est toujours... À la fois, je suis contente, bien sûr, de venir le voir. Et à la fois, je sais que c'est une visite qui est importante pour eux. Je suis la seule étrangère qui peut venir. Et puis après, je sais que je vais faire le maximum pour rencontrer des gens qui vont me rencontrer parce qu'il faut bien qu'ils me rencontrent, mais qui n'ont pas du tout envie de me voir. Avec la délégation municipale d'Ivry, qui est arrivée à Rabat hier, nous sommes allés ce matin à Salé pour essayer de demander un rendez-vous au directeur de la prison, Zaki, où sont incarcérés Nama Asfari et ses 22 compagnons de Gdaï Mizik depuis 4 ans maintenant. Et nous avions écrit, enfin la mairie d'Ivry avait écrit à la délégation générale des prisons et au ministère de la Justice et au CNDH pour demander l'autorisation de rencontrer Nama et lui demander aussi dans quelle situation se trouvaient les prisonniers de Gdaï Mizik. Ce qui était, je pense, assez important ce matin, c'est qu'on soit si proche de lui et finalement si loin, parce qu'on était à quelques mètres de là où il est incarcéré, et puis en même temps, tellement loin avec ses fichus murs et ses autorités qui nous empêchent d'aller le voir. À partir du moment où on parle de la cause sahraoui, où on vient pour la cause sahraoui, nous sommes en infraction avec la loi marocaine. Et tous les discours sur toutes les conventions, je crois que c'est le pays qui a ratifié le plus de conventions, est un discours de façade, d'affichage. On ne peut pas faire un pas dehors sans avoir trois flics au coin de la rue, trois badauds de l'autre côté avec un scooter. On est suivi partout. Donc on sent qu'au-delà de la cause sahraoui, ce pourquoi on est là, on sent bien qu'il y a quelque chose de... Voilà, on entache l'image du Maroc à l'étranger, Agadir, Marrakech, Fès, Saouira, les poteries et Saouira. Là, on est sur quelque chose qui déplaît clairement dans sa globalité. Alors, c'est bon, 4 dans chaque voiture et vous payez 50 dirhams. Oh, yeah.
هذا المنتدى وإلغاء المشاركة بالنسبة للجمعيات التي كانت ستشارك، نظرا لأن الشروط التي تم فيها الإعداد للمنتدى أمريكا أمريكا عدو الشعوب في بيتنا من حروب أمريكا أمريكا عدو الشعوب Il n'y a pas d'espace de débat libre et réel au Maroc. Il y a un cercle fermé, des lignes rouges, comme on les appelle ici au Maroc, qu'on ne peut pas dépasser. On n'a pas le droit. Une fois on arrive aux limites, il y a donc la répression de toute forme. Il y a la répression directe, mais aussi cette répression indirecte d'acharnement de journalistes qui sont là pour à chaque fois insulter les personnes qui osent ouvrir des vrais débats, qui osent s'exprimer librement. Donc, puisque l'État lui-même annonce cet engagement de respect des droits humains tel que reconnu universellement, c'est inscrit dans la Constitution, et le Maroc a ratifié énormément de conventions, et bien nous on dit, s'il est à ratifier, il doit appliquer, il doit respecter. Et on est là à chaque fois pour le rappeler, et pour dire, voilà, il y a des procès inéquitables, il y a encore la torture, il y a encore des prisonniers politiques dans les prisons, il y a l'impunité, la justice est instrumentalisée par l'État, il n'y a pas de justice indépendante, les droits des femmes ne sont pas respectés. Et donc tout ça, ça dérange. Ça dérange les autorités qui veulent montrer un faux visage, une fausse image sur le Maroc, en quoi c'est une exception, c'est un État qui avance, et c'est le meilleur de la région, etc. etc. Mais nous, on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on veut nous faire taire. Les autres du groupe n'ont pas d'expérience politique ni organisationnelle. Ils n'ont pas fait d'études, à part deux ou trois. Ils ont un courage exemplaire. Mais dans le cas d'une lutte politique, cela ne suffit pas. J'ai avec eux une relation comme un père, un médecin, un confident. 20 hommes à la maison. Son projet, c'est difficile. Cohabiter, c'est difficile. Ce ne sont plus des objectifs politiques qu'il faut avoir, mais des objectifs de vie. Je ne veux pas faire mon programme pour moi tout seul. Cette expérience de vie en prison doit être salutaire et bonne pour tout le groupe. Au milieu de ça, j'essaie de protéger ma solitude. J'ai besoin de m'occuper aussi de moi. Dans cette vie d'enfermement, il faut avoir un moteur, la croyance en quelque chose. La lecture est devenue un médicament, une source pour aider mon esprit à s'évader. Chaque mot, chaque phrase, c'est la seule chose qui me sauve. Cela me permet d'organiser mes idées, d'acquérir une méthode. Dostoïevski, lu en prison, c'est bien autre chose que si je le lis dans un café ou à Paris. La lecture et la radio sont devenus un instrument, une arme. Chaque année, je propose de faire des missions pour permettre à plus de gens possibles de rencontrer la réalité sahraoui, mais en même temps, il y a peu de candidats quoi, pour venir à ces voyages. Les gens qu'on rencontre aussi, ils subissent des pressions, ils sont contents de nous recevoir et en même temps, pour eux, ils subissent beaucoup d'intimidation avant, pendant, après. Puis bon, on sait que nous, on s'en va. Et puis eux, ils restent. Ça empêche le problème de retomber dans l'oubli. Quand moi, j'ai commencé en 2005, j'étais quasiment la première à venir. Donc on voit combien cette lutte elle a pris de l'importance et que les droits de l'homme sont un sujet qui est devenu prégnant au Maroc. Donc quand ils peuvent nous expulser ou nous empêcher d'entrer, ils le font aussi. C'était une sorte de présentation des activités, des objectifs de la coordination de Gdimizik. Soyez les bienvenus. Je vous remercie.
عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. شنو الصحراء الأوسطانية؟ سورتو العيون سي الكابيتال دي الصحراء الأوسطانية. أهلا بكم وسهلا. Soyez les bienvenus encore une deuxième fois. اليوم اللي ندورو وهي طليصة معتقلين أهل كدايمزيك. Ce que nous voulons, c'est la libération de toutes les détenues politiques et surtout de Gdemizi. On sait très bien que la question sahraoui en France est en général mise de côté par les autorités françaises qui soutiennent à 100% les autorités marocaines et qui refusent d'intervenir sur tout ce qui relève des violations des droits de l'homme perpétrées par les forces de sécurité marocaines dans le Sahara occidental sous occupation marocaine. On sait très bien que la France se refuse à soutenir notamment l'introduction d'un volet de monitoring des droits de l'homme dans le mandat de la force de maintien de la paix au Sahara occidental, la MINURSO. Donc il y a une espèce de tabou en France sur la question du Sahara occidental et déposer la plainte en France pour les tortures subies par Namaz Fari, c'était une façon pour nous aussi d'attirer l'attention du public français sur ce qui se passe. Avoir un jardin aide l'homme à garder un lien spirituel avec la nature, mais aussi une existence esthétique. J'ai obtenu une parcelle dans notre quartier. Chaque matin, je jardine pour ne pas tomber dans le stress. Claude, je souhaiterais de tout mon cœur pouvoir te faire un jardin dans notre pays, même sous occupation. C'est un homme extraordinaire. Donc, en fait, c'était la conférence internationale catholique du Guinisme qui fêtait son 50e anniversaire. On a tous salué un par un. Et moi, je lui ai parlé, évidemment, pour dire de prier pour les prisonniers politiques. Voilà. Maintenant, je lui ai envoyé une lettre qui fasse de la diplomatie vaticane, pas seulement de la bénédiction. Et puis, donc, moi, j'ai continué à la lutte en déposant une plainte. Des plaintes en nom de Nama pour torture. Et j'ai monté tout un dossier avec l'aide de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui a fait un énorme travail. Ça, j'avoue que si Hélène Leger n'avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc nous avons déposé une première plainte le matin du 20 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris. Donc c'est une plainte pénale avec constitution de partie civile. Le même jour, par ailleurs, nous avons aussi déposé une plainte devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève contre le Maroc. Donc là, ce n'est pas une plainte pénale, c'est une plainte internationale déposée contre un État. En même temps que nous, il y avait deux franco-marocains qui ont déposé plainte pour torture contre M. Amouchi, donc le directeur de la DST. Et alors, on a réussi, à nous trois, à créer le plus grand problème diplomatique entre la France et le Maroc, et j'en suis assez fière. Et puis, évidemment, ça ne pouvait pas durer, parce que, soi-disant, on a besoin des renseignements de la sécurité marocaine. Le chef des services, ici à gauche du roi du Maroc, fait déjà l'objet de 3 plaintes en France. Une ONG chrétienne l'accuse notamment d'avoir fait torturer, au Sahara occidental, ce prisonnier politique, mari d'une Française. Nous défendons une autre victime, Namaz Fari, qui est donc le défenseur des droits de l'homme sahraoui. Il allègue que des représentants de la DST étaient présents lors de sa torture et lui a subi des coups répétés sur tout le corps, lui aussi des coups sur la plante des pieds, entre autres techniques de torture. Alors, quand le chef de la DST marocaine vient en France en 2014, le juge français veut l'entendre dans les 4 affaires. Choqué, le Maroc refuse et en représailles, toute collaboration judiciaire avec la France est gelée par les tribunaux marocains pendant 1 an. Donc nous, notre souci à la CAT et avec les avocats qui défendent les victimes, c'est depuis le 20 février 2014 de rappeler à chaque fois dans les médias qu'à l'origine de cette crise diplomatique, il y a des victimes de torture, il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a de l'impunité, et qu'il ne faut pas oublier que ces victimes ont droit à la justice, et que ce droit à la justice ne doit pas être sacrifié sur l'autel des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Et donc la plainte que j'avais déposée en France, donc elle a été jugée recevable, elle est passée dans les mains de 4 juges d'instruction, la vraie patate chaude, la chaude, et finalement elle a été jugée irrecevable. Donc on a fait appel, puis après on ira à l'Europe, et puis après on continuera. Hein. Mais par contre, elle a été jugée recevable à Genève. Cher Claude, j'ai transmis à mes camarades la bonne nouvelle de l'acceptation de notre plainte à l'ONU. C'est un grand jour. Nous sommes très heureux, très reconnaissants.
C'est un jalon sur notre route et aussi un aboutissement. J'ai l'impression d'avoir un statut hors de nos frontières. Ces plaintes me rendent un peu de ma dignité. Enfin, on reconnaît la torture que j'ai subie. C'est dur de dire à un juge que vous avez été torturé et de voir qu'il n'en tient pas compte une minute. Le déni, ça devient de la torture morale. Considère un peu comme une scène internationale, une scène mondiale, dans laquelle justement les violations des droits de l'homme vont être mises en visibilité. Les divers rapporteurs spéciaux qui ont été au Maroc, au Sahara occidental ces dernières années, eh bien, c'est irréfutable, c'est récurrent. On a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental. Et franchement, les États, eux non plus, ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. En 2013, j'ai interviewé Mustapha Bebden, qui est un poète, un écrivain sahraoui qui a fait lui-même 3 ans de prison, qui m'a raconté les tortures qu'il a subies. Quand je l'ai raconté à Nama, il s'est effondré en larmes et il m'a dit « j'ai subi la même chose ». Et il s'est mis à pleurer. Il ne m'avait jamais raconté à ce moment-là. Et j'avais même cru qu'il avait été épargné, puisqu'il ne me racontait pas ça. Et il m'a dit, et tout de suite derrière, il a dit « j'ai payé la dette à mon peuple et je sais maintenant ce qu'a subi mon père et tous ses frères et mes oncles ». Donc une justification par le militantisme de toute cette souffrance qui marque un homme pour toute sa vie. Je crois qu'actuellement on en est à 60 de prisonniers politiques sahraouis dans les prisons du royaume. Donc il y a encore du travail, on va se battre jusqu'à leur libération, mais surtout on va se battre jusqu'à l'organisation du référendum d'autodétermination. Tant que ce droit, ce premier droit-là, dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire d'avoir son pays n'est pas réalisé, eh bien, il y aura toujours des victimes, puisque tous les autres droits sont bafoués au Maroc, et aussi, pas seulement contre les Sahraouis, mais aussi contre le peuple marocain. Je vous donne raison quand vous dites que le Maroc a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Dommage qu'il ne les applique pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la détention arbitraire. Ne me priez pas de dire ce que je pense. Je vous demande. Je vous demande, madame. Monsieur, je vous remercie de vous faire le porte-parole du gouvernement marocain. Maintenant, on va peut-être laisser. C'est pas à vous de répondre à madame Mangin. Alors, maintenant, monsieur, je ne vais pas devoir appeler la sécurité quand même. Vous laissez répondre les personnes qui interviennent. Un démocrate. Ouais. C'est dur, ces interventions. À Paris, ils viennent à l'Assemblée nationale. Et alors, ils empêchent toute. Ils prennent la parole pour empêcher le. Ils prennent le temps, quoi. C'est souvent qu'on est obligé de faire intervenir les gardes républicains hein, pour les mettre dehors. La souffrance vécue depuis mon enfance, je ne pouvais en sortir sans cet enfermement. La disparition de mon père pendant 16 ans dans les bagnes, je l'ai vécue dans ma chair. J'en ai la mémoire. J'ai retrouvé le lien avec ma famille. Cette prison est devenue une guérison. Ça m'a libéré. C'est comme si j'avais participé avec mon père à sa souffrance. Le bagne, la séparation de la famille, les bourreaux. C'était un mystère jusqu'ici pour moi. Maintenant, je comprends. C'est un défi. Si mon père y est arrivé, je peux aussi. Thank you.
Bonjour monsieur. Ben voilà, je suis l'épouse d'un prisonnier politique qui a été condamné à 30 ans et qui est en grève de la faim illimitée avec ses compagnons, ses 22 compagnons, donc c'est le 24e jour. Et les autorités marocaines ne bougent pas. Donc aujourd'hui, on fait une grève de la faim solidaire. Aujourd'hui, demain et vendredi. Et donc, on réclame depuis plusieurs années l'élargissement du mandat des Minurso à la surveillance des droits de l'homme. Parce que la seule mission des Nations Unies qui n'a pas dans son mandat de surveiller les droits de l'homme au Sahara occidental. Et donc, on ne l'obtient pas. Ça fait plusieurs années. Tant qu'existe la volonté de résister, quel que soit le contexte, quelle que soit l'interprétation de chaque acteur régional ou international, un peuple qui résiste continue d'exister. Notre combat a besoin de gens qui pensent et qui organisent la résistance. Il faut continuer à sortir dans la rue pour témoigner de la réalité au grand jour. Et on est de retour sur le plateau de votre émission ciné thématique. Bien sûr, on est vendredi et comme chaque vendredi, nous vous proposons un documentaire, mais aussi du 7e art avec le cinéma. Et nous voulons marquer cet triste événement, celui de la disparition d'un grand homme, d'un réalisateur engagé, d'un cinéaste qui a passé toute sa vie à tout simplement faire la promotion de la culture et de l'identité algérienne à travers des œuvres qui restent éternelles, parce que ce sont des œuvres faites avec le cœur et la passion. Il s'appelle Sidi Ali Mazif, il nous a quittés dans la nuit du mardi au mercredi, à l'âge de 80 ans, il a été inhumé ce mercredi. Sidi Ali Mazif, c'est celui qui nous a fait Un jour sueur noire, ce film qui parle de ces ouvriers algériens qui travaillent dans les mines et qui souffraient, qui ont eu cette
conscientisation quant à leur liberté et leur indépendance et qui ont rejoint le mouvement national. Sidi Ali Mazif, c'est aussi Leïla et les autres, ce film qui plaide pour le droit et la cause des femmes algériennes dans le travail, mais pas que, mais aussi pour tout simplement aider à faire cette pédagogie toute simple de à travers le cinéma, régler des problèmes sociaux. Sidi Ali Mazif, c'est aussi Houri à Constantine, c'est celui qui a dit l'Algérie, c'est un beau pays, il faut sortir des rues d'Alger, il faut aller tout simplement faire du cinéma dans d'autres villes, comme Annaba, comme Constantine, nous fait aussi le Patio. Et Sidi Ali Mazif a fait beaucoup de documentaires pour tout simplement dénoncer la violence faite aux femmes, la violence contre les enfants et faite aux enfants. Voilà, c'est ça ce monsieur, humble monsieur Saïd Laïech. C'était un homme simple, très simple, mais ô combien intellectuel. Mais Sidi Ali Mazif est le fruit de la formation du premier institut de cinéma algérien en 1964. Il fait son entrée, il en sort en 1966 et il fait des films. Sidi Ali Mazif nous a quittés et vous connaissez Sidi Ali Mazif, vous connaissez ses films. Ça a été un des grands réalisateurs de ma jeunesse. On allait à la Cinémathèque voir des films de Sidi Ali Mazif, qui est un immense réalisateur. Moi, il me laisse l'impression, Allah yarhamou, d'être quelqu'un qui fait du cinéma vérité, très proche du peuple. Le vécu de l'Algérien lambda et surtout le défenseur de la personnalité algérienne. On est ce qu'on est, avec nos bons et nos mauvais côtés. Mais il me rappelle les grands réalisateurs italiens du surréalisme, Vittorio De Sica et les autres, qui ont peint avec beaucoup de bonheur la vie italienne. Et Sidi Ali Mazif a peint avec beaucoup de succès le vécu des Algériens et il nous a rapprochés de nous-mêmes. C'est un miroir qui nous renvoie à notre propre image par les films de Sidi Ali Mazif. C'est un grand monsieur, Allah yarhamou. En tout cas, l'Algérie a eu de grands cinéastes et elle aura, Inch'Allah, encore de grands cinéastes. Certainement, mais on en parlait parce que Sidi Ali Mazif, quand tout à l'heure j'ai insisté sur le mot pédagogie ou pédagogue, parce que tout simplement, il arrivait à casser les tabous sans toutefois heurter la société algérienne et ses valeurs. C'est-à-dire qu'il arrivait à parler avec les familles, avec les personnes, en respectant bien sûr leur avis, mais en même temps pour dire que voilà, on est l'homme et la femme sont égal à égal et sans la femme l'homme ne peut pas exister et sans la femme qui travaille l'homme ne peut pas avancer. Et c'était ça son esprit, c'était quelqu'un qui faisait du cinéma subtil et voilà, un cinéma qui est tout simplement encore une fois didactique peut-être et pédagogique. Moi j'aurais bien aimé le dire ça et je l'ai dit parce que c'est ça. C'est je crois que vous en avez parlé avec des mots très justes à propos de Sidi Ali Mazif. Et surtout, il a pris la conscience de ce contexte dans lequel il travaillait, qui était quand même un certain conservatisme ambiant et qu'il fallait d'une certaine façon faire évoluer les choses, mais il l'a fait sans casser la vaisselle. Il l'a fait avec l'air de ne pas y toucher, mais tout en insinuant des choses justes, des choses qui ne trahissent pas la personnalité algérienne, mais qui en même temps s'ouvraient sur l'avenir et sur la modernité. Et donc, c'est toute cette humilité, vous avez utilisé un mot très juste, cette subtilité intellectuelle qu'avait Sidi Ali Mazif, avec l'œil de la caméra, a réussi à faire avancer les choses, à faire évoluer les consciences et les mœurs de la vie. Et vous allez rester avec nous parce qu'on va voir le film Leïla et les autres, ce film culte. C'est un film bien sûr qui est engagé, mais en même temps on y voit la beauté d'Alger, la blanche, comme bien sûr savait la filmer Sidi Ali Mazif avec la musique de Ahmed Malek. Bon film sur Canal Algérie, c'est un film qu'on a l'habitude de passer, on s'en lasse pas. En tout cas pour celles et ceux qui n'ont pas vu, peut-être on parle à la jeune génération, regardez, c'est du grand cinéma algérien. À la semaine prochaine, au revoir, on vous aime. Ciao, bye.